Comme vous pouvez l'apercevoir à l'écran, le niveau de maîtrise des habiletés des athlètes de Division B au niveau secondaire varie d'un joueur à l'autre. Certains apprennent à contrôler la balle tandis que d'autres la contrôlent déjà bien. La vitesse de jeu est rapide. Pour ce qui est des gardiens, ils sont souvent alertes et se positionnent presque toujours en fonction de la balle et réagissent assez rapidement. Il arrive de voir des joueurs perdre l'équilibre lorsqu'ils effectuent des tirs au but. D'autres sont capables de faire une montée au but et d'effectuer un tir précis tout en se déplaçant. La plupart des joueurs tiennent leur bâton adéquatement. D'autres sont en processus d'apprentissage. Certains joueurs seront en mesure de prendre des décisions en fonction de l'emplacement de leurs coéquipiers. À ce niveau, les joueurs sont initiés aux stratégies de jeu. Il arrive donc de voir de beaux jeux de passe pour monter au but. C'est de plus en plus fréquent de voir les joueurs bien placés sur le terrain. Ce sont là quelques caractéristiques que vous retrouverez dans une équipe de Division B au niveau secondaire.